sourds royaux des cours d'Israël et de Juda. Des fouilles effectuées récemment sur plusieurs sites en Israël et des trouvailles chez des antiquaires ont révélé des pierres semi-précieuses taillées appartenant aux membres des cours royales des rois de l'Ancien Testament. Datant des alentours de 900 à 600 avant Jésus-Christ, ces pierres furent utilisées pour imprimer des images sur des pierres d'argile qui scellaient les documents importants du roi. L'un des plus fameux de ces sceaux qui fut retrouvé à Megiddo montre un lion avec les mots « appartenant à Shema, serviteur de Jéroboam ». Des sceaux portant les noms d'autres rois furent aussi retrouvés. Il est aussi fait mention de ces rois dans les deux livres des rois d'Israël. Des sceaux ont été retrouvés pour les rois Ozias, pour Osée le fils d'Éla, et pour Ézéchias, ces trois rois ayant régné respectivement en 760, 730 et en 700 avant Jésus-Christ.